inevitable. Oh,
province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, chers amis de la Belgique, dames et nîmes, beste vrienden van België, van de Koon, Botte Nabil. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin sur le site de la nouvelle ambassade, sur le chantier de la nouvelle ambassade. Il y a un an, nous avons marqué par la plantation d'un arbre au Wengé la prise de possession de l'ensemble des parcelles qui constituent désormais le site de cette ambassade. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un site qui est incontestablement devenu un chantier, même si seule l'imagination encore, et évidemment la maquette de la nouvelle ambassade que vous découvrirez dans quelques instants, vous permettent de visualiser l'immeuble qui s'érigera au cours des prochains mois. L'ambassade sera le premier bâtiment de ce type en Afrique, le quatrième je crois dans le monde, du moins dans la zone équatoriale. L'ambassade sera aussi, je l'espère, la première d'une série de nouvelles ambassades Benelux dans le monde, une décision qui témoigne à la fois de la volonté de nos gouvernements de rationaliser financièrement nos réseaux diplomatiques respectifs. À quel point nous attendons avec impatience à l'ambassade de Belgique la construction du nouveau complexe qui nous permettra de travailler dans un environnement particulièrement agréable et prestigieux. Qu'il nous soit permis, avant de céder la parole à mon collègue néerlandais et au ministre Armand de Decker, ministre d'État, de remercier tous ceux qui, à Bruxelles comme à Kinshasa, ont rendu ce projet possible. En particulier, pour me limiter à l'ambassade, je voudrais remercier notre équipe immobilière sous la conduite de M. Didier Dorat, terminer à bien et dans les délais impossibles la tâche difficile qui lui avait été confiée. En vous remerciant de votre attention, je formule le vœu de voir la nouvelle ambassade se construire harmonieusement, sachant, comme le dit le proverbe, que quand le bâtiment va, tout va. Voyons donc dans la construction qui commence aujourd'hui le début de relations encore meilleures demain entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Je vous remercie et j'invite mon collègue néerlandais à vous dire son mot de circonstance. Excellence, M. Tshipenda, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Excellence, M. de Decker, ministre d'État, honorables membres de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et sénatrices, Excellence, M. Latsenko, ambassadeur du Royaume de Belgique, chers collègues, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités en votre titre et qualité respective. Mesdames et messieurs, Lelo et Sali Mokolo Monen pour la Bisson. Ce qui signifie en français, aujourd'hui est un grand jour pour nous. C'est pour moi, ainsi que pour les collaborateurs de l'ambassade néerlandaise, un honneur et un privilège de vous souhaiter la bienvenue à l'approche de la pose de la première pierre de notre nouveau bâtiment, des ambassades de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Pour mon petit Benelux, je voudrais d'abord parler très brièvement de l'histoire entre les Pays-Bas et le Congo et ensuite du Benelux. Au cours du XVIIe siècle, le Royaume des Pays-Bas était le pays plus riche et plus influent du monde. Ça a été, de la part de nos ancêtres, une preuve de grande performance. Nos compatriotes ont ainsi navigué sur les différentes mers pour le commerce. Par exemple, la première personne à avoir navigué sur le grand fleuve Congo était le Néerlandais Jan de Herder. Donc, 200 ans avant M. Stanley. La position des Pays-Bas dans le monde a changé. Aujourd'hui, de plus en plus de pays sont la route de la prospérité comme la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. Nous sommes toujours une nation de commerce. C'est pourquoi, cette année, trois missions commerciales entre nos pays seront organisées dans les prochains mois. En tout cas, l'approche qui nous est offerte aujourd'hui, c'est une preuve de la continuation des bonnes relations diplomatiques depuis les années 60 entre les Pays-Bas et la République démocratique du Congo. Près de 50 ans après, nous maintenons des relations étroites dans beaucoup de domaines. Je suis heureux de réconfirmer que les Pays-Bas continueront à tenir leur engagement vis-à-vis de la population congolaise et du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi une expression d'excellente continuation des relations diplomatiques et de coopération entre les fondateurs et l'Union européenne. J'ai cité le Benelux. Le Benelux,
a connu le nom des trois pays dans leur langue originale, Belgique, Néerlande et Luxembourg, était une union à l'origine économique entre les trois pays. Ces trois se sont unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour former une entité économique plus forte face aux pays voisins beaucoup plus grands. En 1951, le Benelux et l'Allemagne de l'Ouest, la France et l'Italie se sont unis pour former l'unité européenne du charbon et la unité de la Chine, le précesseur de l'Union européenne actuelle. De ce fait, avec une histoire comme celle-ci, c'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette cérémonie qui démontre si bien le bien fondé de la coopération internationale. Donc, avec l'expression de ma considération distinguée, je vous remercie de votre attention. Merci. Et de modernisation du pays et de ses institutions se poursuivront pour un meilleur avenir. L'ampleur du projet, les moyens qui y sont consacrés, l'ambition qu'il représente, témoignent en effet de l'importance que la Belgique attache à ses liens avec la République démocratique du Congo, des liens qui dépassent les relations diplomatiques bilatérales, qui trouvent leur origine dans notre histoire commune, qui s'inscrivent dans tant de domaines, dans une continuité aussi de relations amicales et je dirais même familiales. Au-delà du projet immobilier, dont je parlerai dans quelques instants, la construction de cette nouvelle chancellerie diplomatique est un geste politique, un geste de confiance en l'avenir, une manifestation de notre volonté d'approfondir davantage encore nos relations. En posant ensemble, dans quelques instants, cette première pierre, je suis persuadé, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que nous manifestons ainsi notre volonté commune de travailler résolument dans cette voie, que nous répondons aussi.